Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale, ma vidéo préférée de la sortie de DLC. Je suis donc allé vous chercher, grâce à mon mode menu, les prochains véhicules qui sortiront sur GTA Online. Il y en a un bon petit paquet encore, comme vous le voyez sur l'image. Et donc, on va faire le tour de tous ces véhicules. Je vais vous donner leur prix et leur site d'achat. Ensuite, je couperai le son et on ira tous les essayer un par un dans cette vidéo déjà. Ensuite, une fois que cette vidéo sera terminée, vous voterez pour le véhicule que vous voulez que je custom en premier. Et à partir de la semaine prochaine, on démarrera les customs des futurs véhicules qui arriveront sur GTA Online. Vous êtes prêts? Alors on est parti pour faire le tour de chacun de ces véhicules. Et on va démarrer par la Winnie ici Rally. Voilà. C'est une petite mini bien sympathique. Et franchement, elle a une bonne gueule, hein. Mais même les jantes d'origine, franchement, sont belles déjà. Et on se rapproche vraiment de la réalité quand même. Hein. C'est de pire en pire. Hein. Ou de mieux en mieux, c'est comme vous voulez. Hein. Mais ça ressemble de plus en plus au véhicule IRL. Et elle est vraiment très très bien modélisée. Cette, je crois que c'est une Countryman, hein, si je dis pas de bêtises. Et franchement, elle est super jolie. Hein. Je suis pas fan de Mini, mais franchement, celle-ci, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. In-game, et alors, petit spoil, hein. Mais alors le bruit, il est sympa le bruit est sympa. Donc, cette Winnie ici Rally sera à acheter chez Souterne, sanandreassuperauto.com, à un prix de 1 835 000 GTA dollars. Allez, ensuite, on passe à la Ocelot Virtue. Voilà. Donc celle-ci aussi, elle est bien sympa, c'est une Lotus. Alors, on m'avait donné le modèle, mais je m'en souviens plus de nom. Je sais que c'est une Lotus. Et vraiment, et ben franchement, elle est bien sympa. Alors, petit problème, vous allez voir, malheureusement, c'est une électrique. Ça fait un petit peu chier. Mais voilà, le design est quand même vraiment, vraiment stylé. Les jantes d'origine sont bien sympas aussi, hein, vraiment. Il faut qu'ils fassent quelque chose avec les jantes d'origine, qu'on puisse les personnaliser quand même. Parce que franchement, ils nous mettent des jantes d'origine qui sont vraiment jolies. L'arrière est incroyable, franchement. Il est incroyable, l'arrière de cette Ocelot Virtue. J'aime beaucoup la visibilité sur le moteur à l'arrière. Bien sympa, avec le logo de la marque. Et puis on regardera vite fait l'intérieur tout à l'heure quand je couperai le micro et qu'on démarrera les véhicules. Mais voilà, donc cette Ocelot Virtue sera achetée chez Legendary à un prix de 2 235 000 GTA dollars en tarif spécial ou à 2 980 000 GTA dollars en tarif normal. Donc je pense que c'est un véhicule qui sera lié aux prochaines missions scénario du DLC. On verra bien en tout cas. On passe ensuite à la petite favorite de ce DLC. Beaucoup m'en ont parlé, la Tundra Panther. Voilà, qui fait référence à une Alpine A110. Et honnêtement, je vous l'ai mis de la couleur Alpine. Hein. Et elle est... C'est vrai qu'elle est incroyable. Honnêtement, elle est incroyable. Elle est magnifique. Hein. Franchement, quelle réussite de la part Rockstar d'avoir mis ce véhicule et de l'avoir aussi bien modélisé. C'est une petite bombe. Franchement, elle est super jolie. Pareil, les jantes d'origine lui vont super bien. Et j'ai hâte de tester ça tout à l'heure. Franchement, elle est incroyable. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... la plupart seront d'accord avec moi. Donc cette Tundra Panther sera achetée chez Legendary à un prix de 2 170 000 GTA dollars. Allez, là aussi, grosse surprise. Et moi, ça me fait honnêtement très plaisir. Ce sera donc le Karine Autring Everon. Un nouveau véhicule de circuit Autring de NASCAR. Donc, est-ce qu'ils vont nous incorporer de nouveaux circuits Autring? Ce serait cool. Et ne pas nous mettre tout simplement le véhicule pour refaire les courses de Autring de base qu'on a déjà. J'aimerais bien qu'ils en rajoutent des nouvelles dans le style de ce véhicule, ça ferait extrêmement plaisir. Et franchement, bah ce Karine, il a vraiment une bonne gueule, quoi. Je le trouve très 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 joli, très bien réussi, très bien modélisé. Alors les phares, c'est normal, hein, que vous avez l'impression qu'ils sont faux, parce que normalement ce sont des faux. C'est tout à fait normal, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, franchement c'est une superbe réussite. L'intérieur est vraiment bien modélisé aussi, voyez, regardez ça. Vous allez voir tout à l'heure quand on va monter dedans, c'est franchement pas mal du tout. Très très beau. Une bonne surprise franchement, je pensais pas qu'on retrouverait des véhicules de Autring un jour. J'espère qu'ils nous rajouteront bientôt de nouvelles monoplaces aussi, ça serait cool. Et en tout cas, très joli ce Karine
Autrin Everon. Donc, ce véhicule sera acheté chez Southern San Andreas Superauto.com à un prix de 1 342 500 GTA dollars ou 1 790 000 GTA dollars. Encore une fois, c'est un tarif spécial et tarif normal, donc il n'est pas impossible que le tarif spécial, on le débloque en faisant certaines courses qui seront rattachées, enfin je l'espère, à ce véhicule. Affaire à suivre. Ensuite, alors la petite surprise, encore une Karine, et celle-ci, bah, je ne l'ai pas vue venir, mais elle est sympathique. C'est une Karine Bor, voilà. Cette espèce de petit pick-up bien sympa. Il est mignon. Après, ça va pas plaire à tout le monde, à mon avis, avec le toit en hardtop, vous voyez. Mais franchement, il est stylé, hein. Il est sympa, je trouve. C'est pas les meilleurs véhicules qu'on ait pu voir via des DLC, mais écoutez, il est plutôt sympa. Même si vous voyez, bon là, les phares, par contre, on voit que c'est des dessins, quoi. Et ça, c'est dommage parce que là, par contre, c'est pas des faux phares, hein, c'est des vrais. Hein. On n'est pas sur un véhicule de piste, donc c'est un petit peu dommage, quoi, que ça soit moins joli, quoi. Donc, ce Karine Bor sera à acheter chez Southern San Andreas Superauto.com à un prix de 1 280 000 GTA dollars. On passe ensuite à une voiture très en mode Las Vegas, années 70-80. Elle est magnifique. Honnêtement, c'est un vrai bateau. C'est donc la petite Willard Eudora. Et franchement, quelle ligne incroyable. Dommage qu'on n'ait pas Las Venturas. Je nous voyais bien rouler de nuit là sur les routes de Las Venturas avec ça. Franchement, elle est magnifique. Alors c'est pareil, c'est un style qui va pas plaire à tout le monde, mais honnêtement, c'est quand même très très joli. Regardez-moi ce bateau, non, sans déconner. Elle prend toute la place et elle dépasse encore. Regardez. Elle dépasse presque, franchement, c'est incroyable. Elle est énorme cette voiture. Elle est aussi longue que large. Regardez-moi la largeur du véhicule. C'est un paquebot, un bateau à quatre roues. Un yacht à quatre roues, plus précisément. Voilà, n'empêche qu'elle est magnifique. Vraiment, belle réussite là aussi de la part de Rockstar. Donc cette Willard Eudora sera achetée chez Southern, San Andreas Superauto.com, à un prix de 1 250 000 GTA dollars. Ensuite, on a le fameux taxi des années 40. Voilà, donc elle s'appellera la classique Broadway. Et écoutez, écoute, elle est bien sympa, un peu particulier. Ça, c'est un style que j'aime beaucoup moins, par exemple, que ce style-là. Mais bon, après, c'est pas les mêmes années, hein, parce que ça, c'est des années 40, ce véhicule. Et là, on est dans les années 70-80, quoi. Donc, c'est pas du tout. Il y a un gap, hein. Il y a un gap entre les deux véhicules, quoi. Après, voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, ce véhicule, quand même. C'était donc le véhicule qu'on voyait dans la première image du DLC en version taxi. Donc on pourra le customiser en version taxi. Il y aura quelques aléas. Je vais vous expliquer comment il faudra l'obtenir, le motif, mais on en reparlera quand on fera la vidéo custom sur cette voiture. Je vais pas en parler là, ça sert pas à grand chose. Donc bah écoutez, bah pas grand chose à dire de plus, hein. Elle est sympa. Après moi personnellement, là j'ai beaucoup moins d'attache pour ce style de véhicule. Mais encore une fois, chacun ses goûts. Et s'il y en a qui sont ravis de l'avoir arrivé, bah, je suis content pour vous honnêtement. Et puis comme ça, il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Donc cette classique Broadway sera achetée chez Legendary Motorsport.net à un prix de 925 000 GTA dollars. On passe maintenant à la Western Power Surge. Voilà, donc c'est une nouvelle moto, mais une nouvelle moto particulière, puisque elle aussi, et ça risque d'en décevoir quelques-uns, elle est électrique. Voilà. Donc honnêtement, c'est assez perturbant quand tu montes sur la moto qu'elle fait pas de bruit. C'est assez. Bah, c'est comme les véhicules, hein, d'ailleurs. Moi, c'est vrai que les électriques, ça a de bonnes performances, mais alors les véhicules qui font pas de bruit, je suis pas vraiment fan, on va dire. Après, voilà, hein, je sais qu'il y en a à qui ça va plaire. Et tant mieux. Hein. Bon, en tout cas, franchement, le design en lui-même est vraiment sympa. On est dans un look mi. Je sais pas, il y a deux looks. Il y a un style un peu futuriste, mais en même temps, un look un peu qui date un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un mélange de deux styles, quoi. Et bah écoutez, elle est bien sympa. Après, bon, moi, je pense pas que je l'achèterai. Enfin, je pense pas que je l'achèterai sur GTA Online. Parce que déjà, je suis pas un grand fan de moto. Je suis très très voiture, moi, faut le savoir. Donc voilà. En tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette Western Power Surge sera achetée chez Legendary Motorsport.net à un prix de 1 605 000 GTA dollars.
On passe ensuite aux deux derniers véhicules, ou trois derniers, parce que bon, à l'heure actuelle, la Tahoma vient de sortir, donc on fera peut-être un petit peu le tour à côté, mais la Tahoma vient de sortir, et d'ailleurs, bon, on va passer par la Tahoma d'abord, voilà. Donc la Tahoma vient de sortir au moment où j'enregistre. Je vous ai sorti la vidéo présentation custom et test de ce véhicule, et elle est disponible gratuitement d'aujourd'hui 16 décembre à dimanche 18 décembre minuit. Donc, ou lundi 10h. Donc, essayez de l'acheter avant dimanche minuit, la récupérer gratuitement plutôt au lieu de l'acheter. Et parce qu'après, elle sera à 1 500 000 GTA dollars chez souterrainesanandreassuperauto.com. Voilà. Donc, si ce véhicule, vous voulez le voir plus en détail, il y a déjà une vidéo dessus qui est présente. Je vous mettrai le lien dans la description puisque cette vidéo est sortie ce midi. Tout simplement. Voilà. Allez, on passe aux deux derniers véhicules, là maintenant, pour le coup, de chez Warstock. Et l'arrivée du taxi qui arrivera donc avec. Le business de taxi, dont je vous en ai parlé un petit peu et on reviendra dessus plus en détail dans les semaines, dans les jours qui suivent, puisqu'il y a énormément de choses en mode libre que je dois vous présenter et j'ai récupéré énormément d'informations autour. Donc, ce taxi sera acheté chez Warstock. Bon, vous le connaissez, hein, de toute façon, c'est le Downtown Capco. On l'a déjà vu plusieurs fois, que ce soit en mode histoire ou même en mode online plus souvent depuis quelques temps avec les contrats téléphoniques de Franklin, où on utilise des fois en mission un taxi pour pouvoir prendre une cible et soit le noyer, soit le faire détruire le véhicule. Enfin voilà, il y a différentes choses à faire, différents styles de mission. Donc ce véhicule sera chez Warstock, pardon, à un prix de 487 500 GTA dollars en tarif spécial ou à 650 000 GTA dollars en tarif normal. Alors le tarif spécial, il sera débloqué quand vous aurez fait 10 missions de taxi d'affilée en une fois. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez voir le business, vous ne serez pas obligé d'acheter directement un véhicule et directement un taxi. Vous pourrez prendre les taxis qui sont sur les parkings, faire les missions pour débloquer le prix spécial sur ce taxi pour avoir après votre taxi personnel. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on va pouvoir le customiser? Étant donné que je pense que ce sera un véhicule Pegasus. Voilà, c'est ça le truc. Après, ça ne veut rien dire. Parce que notre petit Brickade, petit d'ailleurs, on va finir avec lui, le petit Brickade que vous voyez là, gros Brickade du coup, donc le nouveau Brickade qui est arrivé avec le DLC Drug Wars et qui est disponible depuis la sortie du DLC bien évidemment, est entièrement customisable, alors que à la base c'était on avait un style de Brickade en Pegasus, on avait aussi un taxi en mode Pegasus. Ça veut pas dire que est-ce que le taxi en lui-même, le nouveau ou qui sera à l'achat plus précisément, sera lui aussi chez Pegasus. Bon, on saura assez vite. De toute façon, moi, si je vous fais pas de vidéo custom dessus, c'est qu'il y a absolument rien à faire dessus. Voilà. Donc, comme ça, on sera vite fixé. Hein. Et donc, on termine avec ce véhicule. Et j'ai eu une petite information, là, juste avant de faire la vidéo. Il semblerait que ce véhicule soit préparé pour faire des courses. Voilà. Sachez-le, c'est un truc que j'ai vu passer. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais il semblerait que le véhicule, on pourra l'acheter pour faire ensuite des courses. Affaire à suivre. Si j'en sais plus à ce sujet, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, donc ce petit Brickade, enfin ce gros Brickade du coup, 6x6 de chez Warstock, sera à un prix de 1 450 000 GTA dollars. Voilà les amis. Donc on a fait le tour de tous ces véhicules en présentation, prix et site marchand. Et ben maintenant je vais couper le micro et puis on va passer aux essais. L'un des moments préférés aussi de cette vidéo. Allez, on est parti.
some luck right there. Anybody out there good for pickup? Thank you.
too close. Le gros fail. Bon bah voilà les amis, on va s'arrêter sur ce gros fail. J'aurais essayé de passer mais... Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo découverte des futurs véhicules de GTA Online vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez des véhicules, à dire ce que vous pensez aussi des prix. Et puis pourquoi pas commencer à voter pour le véhicule que vous voulez que je custom en premier, en avant-première comme d'habitude, après chaque sortie de DLC. Encore merci à vous tous pour votre soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important. Pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications si vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez pas rater des customs en avant-première sur la chaîne, vous serez bien évidemment les bienvenus. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où vous voulez. Ça peut aider énormément la chaîne et faire grandir la communauté. Et vous pouvez me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens sont dans la description. Il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos sur TGS Rockstar Club. Ciao !